Non. Après, on va jouer comme on sait le faire. Après, il y a toujours un rapport de force. Ça dépend ce que tu as en face de toi, comment l'adversaire est en capacité de te poser des problèmes ou pas. Et non, on va jouer notre jeu qu'on est en capacité de faire depuis un moment. Voilà. J'espère qu'on sera présent et qu'on va faire un gros match encore. Voilà, c'est l'objectif, il est là, c'est d'aller ramener des points de Lyon. Oui, non mais ça fait un moment que l'équipe elle produit des beaux matchs. Même les deux matchs qu'on a perdus, je trouve qu'on avait fait deux belles prestations. C'était pas des mauvais matchs. Le contenu était bon. Ah, il faut qu'on continue à avoir un bon contenu pour être en capacité de gagner les matchs. Ah, on va dire référence parce qu'on a mis 4 buts. Mais on joue. Moi je trouve que ça a été même un peu dénigré. On a gagné 4-0 parce que Monaco n'a pas été bon. Ils n'ont pas été bons parce que nous on a été bons. Non, on a fait sur les points qu'on a pris, sur les 11 matchs, c'est d'avoir cette victoire, c'est ça qui est important. Voilà. Plus deux nuls qui sont contre des bonnes équipes aussi, qui sont deuxième et troisième. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, on a fait le job jusqu'à présent. Maintenant, on s'est fixé des objectifs qu'on va essayer d'atteindre. Voilà, c'est de grappiller les points et aller rattraper les équipes qui sont devant nous. Ouais, ça aurait pu être ça. Peut-être qu'on aurait, si on n'avait pas fait cette série de matchs et cette qualité de jeu qu'on a produit, peut-être qu'aujourd'hui on serait à la lutte encore avec les équipes qui sont derrière. Hein. Mais on a réussi à passer ces étapes-là et aujourd'hui il faut qu'on ait l'ambition d'aller de regarder devant nous et de grappiller des points pour attraper Reims, pour attraper Lorient qu'on va recevoir, voilà, toutes ces équipes-là hein, qui sont juste de sont 5, 4, 5, 6 points devant nous. Il reste 15 points en jeu. Hein. Dixième, je sais pas si on arrive à dixième, tant mieux, mais déjà, à grappiller des. Là, on vient de dépasser Toulouse. Il faut qu'on arrive à les gratter. C'est qui? C'est Reims, qui ont 4 points devant nous. Voilà. Ah, non, oui, après, ça fait quand même 2 ans maintenant que Nantes il termine quand même entre la 14e et la 17e place, quoi. Il y a 2 ans, avant que je parte, ils ont fait les barrages pour se sauver. Voilà, c'est. Il y a que ça fonctionne pas bien dans le contenu de ce qu'ils font. Hein. Mais bien sûr que c'est. Ça m'emmerderait qu'ils descendent, mais c'est comme si c'est le foot. Hein. Si on était à leur place, on ne ferait pas de cadeau non plus. Hein. Je sais pas, je pense que tout est possible encore. Après, on verra comment ça peut s'articuler. Mais oui, c'est un garçon depuis qu'on est arrivé, qui est performant, qui a été bon, qui a fait marquer des buts, qui a marqué des buts. Voilà, c'est pour nous apporter. Il fait partie des joueurs qui ont été performants dans. Et qui ont été efficaces. Voilà, moi, je pense qu'il. Ou dans le couloir, dans le système à 3 dans l'axe, dans le couloir, ou en tant que milieu excentré. Oui, je pense que c'est plus son poste. Il a cette vitesse, explosivité qu'il a, qui est importante. Aujourd'hui, au niveau, ça demande des joueurs qui vont vite. Et il a ça. Après, il est moins bon dans l'acte défensif. Oui, mais il y a des joueurs qui ont
On leur a proposé aussi des contrats stagiaires, voilà. À eux de d'être performants pour arriver au niveau. On peut pas donner des. Là, c'est pas moi qui ai eu, mais on ne peut pas donner des contrats comme ça non plus gratuits aux joueurs si on constate qu'ils n'ont pas le niveau. Non, je sais pas, j'ai pas, c'est pas moi qui fais les décisions. Moi, je viens d'arriver il y a 2 mois. On peut pas. Je pense que les gens qui sont là depuis. Ah, c'est Bertie qui gère ça avec tous les éducateurs. C'est eux qui décident. Moi, ça toujours, moi j'ai toujours ressenti ça depuis quand j'étais joueur et quand j'étais entraîneur. Hein. C'est la même chose. Quand on va à Lyon, c'est très important pour la famille Nicolin de faire un bon résultat là-bas. Ouais. Non, mais ils le savent, les joueurs. Ils le savent. Ils savent que Laurent, il veut qu'on soit performant là-bas, qu'on gagne. Ça a toujours été la maison mère au départ là-bas. Ouais. La société s'est créée là-bas, avec la famille Nicolin. Aujourd'hui, même s'ils sont basés ici, mais ça restera toujours. Un endroit où sportivement on a envie de gagner là-bas. Ils ont Tolisso, ils ont le Kéba aussi. Ça les affaiblit? Je ne sais pas si ça les affaiblit, mais c'est des joueurs qui sont des titulaires d'habitude. Même si Tolisso il a peut-être moins joué que le Kéba, mais oui, ils ont des joueurs en moins comme nous. Mais ils ont un effectif qui s'est bien redressé, qui reste sur des bons résultats. Ça va pas être un match facile pour nous non plus. À nous de d'être en capacité de les bousculer comme on a pu le faire à Monaco, comme on a pu le faire à Lille sur la première mi-temps. À nous de chercher. De toute façon, on va là-bas pour gagner. On va jouer pour amener des points. Je sais pas. Peut-être un jean ou je sais rien. Bon, on verra, vous verrez comment je me suis habillé. Je m'habille, mais pas de problème. Le principal, c'est que les joueurs soient bons. Oui, parce qu'il est. Oui, c'est, dans la surface, il est redoutable. Il enchaîne vite. Voilà, il a une vitesse gestuelle qui est bonne. Et il a une technique. Une technique qui est très bonne devant le but. Voilà, il a même un jeu de tête, il peut être dangereux. Voilà, il a fait quand même une carrière à un très très bon niveau. Et oui, on y réfléchit, bien sûr qu'on y réfléchit. Hein. Bien sûr. C'est important. Hein. Voilà, parce que là on perd presque notre défense. On a 3 joueurs qui risquent d'être. Pas là pendant 1 mois et demi, si vont au bout quoi. Ah ouais, c'est bien sûr que c'est. On y réfléchit, ouais. Est-ce que c'est un critère? Oui, après tout va dépendre. Ça dépend des départs, ça dépend. Oui, bien sûr, mais c'est un critère qui est important, oui. On peut pas prendre que des joueurs qui vont aller en sélection et on va se démunir et se mettre en danger, ouais.